Salut à toutes mes histo-curieuses et à tous mes histo-curieux et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante du téléphone. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir dans nos projets et pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Petit aparté, il devait y avoir un autre épisode, mais avec les fêtes, et là malheureusement le temps, nous n'avons pas eu d'autre choix que de faire autrement. Mais samedi prochain, il y aura un épisode d'un château d'une autre ville. En attendant, bonne plongée dans l'histoire du téléphone. Notre histoire commence au 19e siècle, une époque où la communication était limitée. Alexander Graham Bell est souvent crédité de l'invention du téléphone en 1876. Imaginez-vous, à cette époque, une conversation à distance était soudainement possible. Mais savez-vous que d'autres inventeurs, comme Elisha Gray, revendiquant également la paternité de cette invention révolutionnaire? Cela a donné lieu à des litiges juridiques passionnants. Avec le temps, les téléphones ont évolué de manière spectaculaire. Des téléphones à manivelle, au téléphone rotatif, puis au téléphone à touche, chaque décennie a apporté son lot d'innovations. Les années 2000 ont vu l'événement des téléphones mobiles, réduisant le monde à la taille de notre poche. Et puis est arrivée la révolution des smartphones. En 2007, Apple a lancé l'iPhone, changeant à jamais la façon dont nous communiquons. Les applications, l'accès à Internet, les caméras de haute qualité, tout était désormais à portée de main. Les concurrents ont suivi et le monde est entré dans l'ère des smartphones. Le téléphone a transformé non seulement la manière dont nous communiquons, mais aussi notre société. Des appels vocaux aux messages textes, à des réseaux sociaux aux selfies, notre vie quotidienne est devenue indissociable de ce téléphone. Cependant, cela a également soulevé des questions sur la dépendance à la technologie dans la vie privée. Et voilà, c'était un rapide plongeon dans l'histoire du téléphone. C'est incroyable de voir comment cette invention a évolué au fil des décennies, façonnant notre façon de vivre. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps. N'oubliez pas de laisser un pouce et de commenter vos réflexions sur l'évolution du téléphone. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans Non loin de chez toi.